Les enfants, maintenant que vous avez rangé tous vos cahiers et vos affaires, s'il vous plaît, je vous demanderai de ne faire aucun bruit. Bien! Je vous rappelle à tous que demain est le dernier jour de l'année scolaire. Et donc...2020. À cause de la pollution, la Terre est devenue invivable. Les réserves naturelles sont épuisées. Que va devenir l'humanité? Néanmoins, l'espoir renaît. Alors que les derniers terriens embarquent pour un paradis vierge de toute pollution, mission Pluton 399. Sur notre chaîne, découvrez la suite l'été prochain dans La vie sur Pluton 399. Il n'y a plus de pétrole. La stratosphère est comme un grand gruyère. Et bientôt, on pourra faire pousser des bananes sur notre balcon. Ouais, chez nous non plus, on peut pas dire qu'on est très écologiste là, non? Si ça se trouve, nous aussi, on va devoir partir à la recherche d'une nouvelle planète. Ah, j'ai vraiment hâte de quitter toute cette pollution. Tu ne trouves pas que l'air devient de plus en plus irrespirable? Je réponds. Allô. Titeuf, il y a un truc énorme qui se prépare, j'en suis sûr et certain. Mes parents, ils font leur bagage et ils parlent que de partir. Et on va où exactement? Là où le soleil brille et où l'air est plus pur. On a besoin d'emmener tous les gens. On ne sait jamais, Titeuf. Une fois qu'on est parti, c'est trop tard. Oh, à propos, n'oublie pas qu'on a prévu de partir demain dès que tu seras rentré de l'école. Chaud. Chez moi, c'est exactement la même chose. Ils ont prévu de partir ce soir. Moi aussi. Mon père, il a dit comme ça qu'on allait bientôt se tirer. C'est sûr, il nous cache la vérité. C'est pour pas nous faire peur. Toi, ils nous prennent pour des décérébrés du schlop. On a très bien compris ce qui se passe, qu'on partait tous pour une autre planète. Mais c'est pour ce soir. Oh, c'est la dernière fois qu'on voit notre bonne vieille école. On va pas trop manquer, hein. Mais qu'est-ce qu'elles fabriquent? Elles vont rater l'embarquement, hein? Oh non! Oh Nadia! Venez, on peut pas laisser faire ça! Mais lâchez-moi, bande de psychopatates! Mais Nadia, faut pas traîner, puisque je te dis qu'on nous attend pour la grande migration spatiale! N'importe quoi, pauvre dégénéré du cerveau de la tête! Qu'est-ce que ça couche papier-fesse? Ils sont partis sur nous! Non, c'est pas vrai! Si ça se trouve, ça fait des jours et des jours qu'on est là! En plus, on sait même pas sur quelle planète ils ont migré! Non, ça se peut pas! Nadia, essaye d'appeler chez toi! J'ai pas de réseau! D'habitude, ça passe ici! Il y a quelqu'un? Répondez-moi! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ils ont peut-être raison. Méga mortel, on est les 6 derniers humains sur Terre. T'as dit qu'on a bien. Ce soir, glace à gogo pour tout le monde. Et y'a pas de quoi s'inquiéter. J'ai calculé, on a de quoi tenir au moins 132 ans. Plus d'école, plus de parents et des glaces autant qu'on en veut. C'est trop cool, l'ami. Ouais, sauf qu'on va avoir un méga gros problème. On est 4 garçons pour seulement 2 féfilles. Bah oui, hein, bande de gnocs. Va falloir qu'on se reproductionne, hein. J'ai toujours imaginé que mes enfants auraient de grandes oreilles. Et moi, des lunettes et un t-shirt à rayures. Tiens, ça solutionne pas notre problème. Nadia, à toi de choisir. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Je vais
pourrais vous faire passer quelques tests. Ça va m'aider à choisir. Alors, première épreuve, me porter jusque là-bas. Tranquille. Si t'es prend pas ta première épreuve. J'espère que vous en avez un peu plus dans le cerveau que vous en avez dans les bras. Qui est à la fois la plus grande chanteuse, la plus grande actrice et la plus grande star du monde? Nojo. C'est la bonne réponse, Titeuf. Comme tu es le plus fort et aussi le plus intelligent, alors c'est toi que j'ai choisi. Non. Amoureux pour toute l'éternité du monde. Maintenant, vous pouvez vous bisouiller. Tite Founet, on était super inquiets. Heureusement que la maman de Manu vous a vu entrer au supermarché. J'ai pas embarqué? Bah non, pas encore. Tu te rends pas compte, mais ça fait plus de 3 heures qu'on t'attend. On part pour de vrai, alors? Enfin, Tite Founet, on part en vacances à Trou perdu sur mer. Tu sais bien, comme chaque année. Oh, c'est vraiment trop nul. La fin du monde, on peut jamais compter sur elle.